Cole ? Allez-y, j'enregistre. Concentre-toi, Jody. Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets. Eh bien, c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Beyond Two Souls. Nous en sommes à l'épisode 12. Et je dois me concentrer sur quelque chose. On va commencer peut-être par la photo. C'est peut-être une disparue ou peut-être ma vraie mère. Je doute. D'accord ? Je me suis pas assez concentré, j'ai besoin de reprendre cette photo. On ne peut pas la reprendre, évidemment. D'accord. Je ne sens pas de vibes dans cette petite pièce antique. Ah, quoique... Quoique... Quoique non. Quoique non, elle a fait un signe de la tête. Ok, on va prendre la boîte. Ça vibre. Tu vois quelque chose, Aiden ? Ok. Allez, on amène ça direct dans notre tête. Merci papa, c'est vraiment super joli. Ouvre-la. Jody ? Tout va bien ? Oui, oui, je vais bien. Tu as vu quelque chose ? Il m'inspire pas confiance. Non, c'était... Tout était brouillé. J'ai rien vu du tout. Oui ? Nathan ? D'accord, je lui dis. Nathan ! Un certain Ryan Clayton est là pour te parler, il dit que t'es au courant. Oui. Reviens dans un instant. Ok, je sais pas, je le sentais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Attendez. On va retirer le casque. Déjà, ça sera pas mal. Je le sentais pas trop. Là, j'aimais pas. J'ai pas aimé. J'ai senti une onde négative émanant de lui. Qu'est-ce que je peux faire là ? Je peux me tirer ? Ok. Bougez pas. Avec Aiden, on va essayer d'écouter. Écoutez. J'ai jamais trouvé le bon moment pour lui dire. J'ai besoin d'un peu de temps. Non. Professeur Dawkins, je dois l'emmener aujourd'hui. J'ai des ordres. Mais enfin, ce n'est encore qu'une enfant. Mon assistant et moi, on est la seule famille qu'elle est. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe dehors. Écoutez... Dawkins, je comprends ce que vous ressentez, sincèrement. Mais les ordres sont les ordres. Vous allez me l'amener ou je dois aller la chercher ? D'accord, c'était donc avant ma formation au FBI. Jody, tu peux venir s'il te plaît ? D'accord, c'était avant ma formation au FBI, on va voir, déjà on va voir si je peux retourner là-bas, s'ils parlent encore, non, ils m'attendent comme des connards, donc ils vont faire les présentations, avant cela, un petit tour du proprio, il n'y a pas grand chose, je vois pas de bonus caché non plus, on va y aller tout simplement, on va voir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui se passe, Nathan ? Tout va bien ? Jody, voici Ryan Clayton de la CIA. L'agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à Camp Perry. Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Tu vas partir avec lui, Jody. Aujourd'hui. D'accord. Expérience bouleversée, pourquoi ? On m'a demandé pourquoi. Je comprends rien. Pourquoi moi ? Cette unité appartient à la CIA. Ils suivent tes progrès depuis ton arrivée ici. Ils savent ce que tu es capable de faire avec Aiden.
imploré en colère, déterminé. Je suis plus une gamine. Je suis assez grande pour décider toute seule maintenant. Rien ne m'oblige à y aller. Je dis, écoute. Je sais que c'est difficile, mais il faut que tu comprennes. C'est une belle opportunité pour toi. Toujours déterminé. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire de ma vie. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. D'accord ? Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras, mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Lui, je vais lui baiser, c'est mort. On va le calmer. Non. Je te dis, arrête ça tout de suite. Je te dis. Je t'en prie. Fais ça pour moi. Je vais chercher mes affaires. Prends juste l'essentiel. On a tout ce qu'il faut à Campéry. Ok, prends juste ce qu'il faut. Alors, il faut quoi? On va essayer de réfléchir. Mais je me pose et je regarde la télé. Ok, là on a un petit truc sympa destiné. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je me suis vénère. Ah, quand je suis vénère, moi, faut pas qu'il y ait un micro-ondes, sinon ça part très vite en couille. Arrête de chialer, là. On va y aller. Il y en a, ils avaient une jolie gothique. Et moi, non, j'ai toujours une Jodie plutôt classe, plutôt classique aussi. Donc à vous de me dire, il fallait faire quoi pour l'avoir en gothique? Peut-être qu'il fallait tuer. C'était notre côté rebelle qui ressortait. Ah, c'est de l'autre côté. Ah, c'était l'œil. C'était stylé. Ça faisait l'œil. Ah, elle avait un petit sens de l'humour qu'on aimait bien. Ok, 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 on va récupérer quoi? Bah, il est là, mon sac, en fait, tout simplement. Bon, c'est bon, on va pas passer notre temps à chialer. Ah. Peut-être ça, non? Ah, le doudou. Le doudou, je pense. Forcément. Je l'ai dans le sac. Je suis obligé d'aller avec le lapin. Ok, c'est bon cette fois? On a le doudou? On peut décoller? C'est dommage, j'avais toute une vie là, quasi. Ah, toujours pas. Toujours pas. Le petit bonheur. C'est ça aussi. Voilà, parce que c'est totalement gratuit. Il y a qui de l'autre côté là? Voilà, on casse des trucs, hein. Ça mange pas de pain. Je ne peux pas partir en fait, je ne comprends pas. J'ai encore loupé quelque chose là, attendez. J'ai le doudou, qu'est-ce qui manque? Faut que je m'assoie pour pleurer, c'est sérieux? Ok. Ok, je... Je ne comprends pas. Peut-être là, non? Attendez. D'accord, ok. En fait, le sac est vide. Ok. Très bien, très bien. Allez, on prend tout ce qu'on a besoin. Voilà, j'ai pris un t-shirt. C'est amplement suffisant. J'ai le doudou, j'ai le t-shirt. On peut se casser, je pense. C'est le strict nécessaire. C'est bon, là, non? Yes. Non, mais c'est pas bon, merde! Allez, je me casse, c'est chiant.
T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Merde. Tu vas drôlement me manquer, tu sais, princesse. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu le sais, pas vrai? Je serai toujours là pour toi. On doit y aller. D'accord, la rupture, c'est fait. Bon, il avait pas l'air si négatif que ça au final. A caché les visions à Dawkins, comme 19% des gens, les autres ont préféré lui révéler. A menacé Clayton, comme 83% des gens. Et Clayton et Dawkins espionnés, comme 64% des gens. Je sais pas ce qu'ont fait les autres, mais ils y ont pas pensé en tout cas. Moi, bon, les gars, c'est une part de génie là-dedans. On est parti pour le dîner. C'est donc après Bienvenue à la CIA et après l'ambassade, normalement. Ouais. Jody, salut, c'est Ryan. Ryan! Je me demandais si t'avais eu mon email. Quel email? Celui que je t'ai envoyé il y a 3 jours. Tu sais, j'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Il disait quoi, cet email? Je t'invitais à aller au restaurant ce soir. De toute façon, c'est trop tard. Mais une autre fois? Merde, je suis désolée, je... Mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas dîner ici ce soir? Enfin, tu voulais voir mon appartement et tout ça, alors... Ok, mais... On se dit vers 20h? D'accord, j'apporte une super bouteille de vin. À tout à l'heure. Ok. Le Ryan, il veut me pécho, les gars. Je comprends mieux pourquoi t'as explosé l'ordi. Tu voulais pas que je voie Ryan. Ça ne te regarde pas, je te signale. Je fais ce que je veux. Je me casse. On fuit, les gars. Une femme en colère, c'est jamais bon. Fais chier. Fais chier. J'ai pas envie que ça recommence. Je suis pas à toi, Aiden. Je peux avoir une relation avec qui je veux, tu entends? C'est ma vie! Aiden, est-ce que tu peux comprendre ça? Je fais ce que je veux de ma vie! Tu sais quoi? Moi, je trouve que Ryan est super! Hein? Il est charmant, il est intelligent, il est drôle! Et je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, je sais ce qui s'est passé au bar. Je te remercie beaucoup de me le rappeler. Ryan n'est pas comme ça. Ok. Ok. Il est 19h. J'ai 1 heure pour faire le dîner, tout ranger et me faire belle. Ok. À mon avis, il va vraiment falloir faire tout ça. Sinon, c'est la merde. Ok. Ok, les livres. Bah, dans la bibliothèque. Merde, elle est où cette putain de bibliothèque? Elle est où cette putain de bibliothèque? Je vais pas avoir le temps. Ah, elle est là. Ok. Nickel.
Maintenant les déchets, parce que les gars là-bas, c'est décharge, c'est terrible. Je vais pas les faire un par un. Ah non. Voilà, fais un fort. Bon, la poubelle dans la cuisine. Ok, la cuisine est par là, hein, j'ai noté. Ah, les caméras qu'on appréciera. Allez. Allez, 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 allez. Parce que c'est sans doute, et c'est sûrement connaissant David Cage chronométré. Donc il faut essayer d'avoir le temps de tout faire. Parce qu'il risque de sonner, je suis toujours en slip. Hein. C'est un réel plaisir. Tiens, les DVD. Juste à côté, la console de jeu, hein, bien évidemment. On ne saura jamais c'est quelle console. Ils auraient pu mettre une manette PS3 étant donné que c'est une exclue. Non, 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 c'est cramé là, gros, ce que tu fais là. Ok. Là, les chaussures. Ah oui, jean, d'accord, très bien. Ah, chaussettes, ok. Le linge sale dans le panier de la salle de bain. Salle de bain, c'est par ici. Ok, voilà. Ok. Je me coule un petit bain. Oh putain. Oh merde, le dîner. Bon, okay. Il doit y avoir un truc dans la cuisine. Je suis toujours en slip, hein. C'est un réel plaisir, hein. Ah, ici on s'habille pas. Hein. Eh, je vais la cuire en slip, j'en ai rien à foutre. D'accord. Donc lui veut me... Il veut me pécho, hein. Il veut me pécho, le Ryan. Il me parlait mal quand putain, j'étais gamin, Alton, mais bon. Arrête de faire des conneries. Quand j'étais gamine, sur le coup. Aiden devient chiant, là, par contre. On va essayer. Il a l'air, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, on verra, les gars. Hein. Je fais peut-être une erreur. Eh, faut profiter de la vie, vous savez ce qu'on dit. Je dois trouver une recette réalisable en une heure, avec ce qu'il y a dans le frigo. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans Bœuf le frigo? À l'asiatique. Ça a l'air bon, et... C'est pas trop compliqué. Poulet au curry et légumes au four. Ça va prendre du temps avec le four, mais... Ça paraît faisable. Alors, pour avoir de très bonnes connaissances, évidemment, dans tout ce qui est cuisine... Des pizzas toutes prêtes. Bon, c'est... C'est pas très raffiné, mais... Pas de préparation, pas de stress, ouais. C'est une bonne idée. J'ai pas vu ce qu'il y avait. J'ai pas vu ce qu'il y avait, donc on va faire un... Un petit bœuf à l'asiatique. Ouais. Bah pour le bœuf, ça m'inspire. Après tout, c'est un peu exotique et... Tant que je fais pas n'importe quoi. On va lui faire une petite compotée de légumes avec un bœuf à l'asiatique. On apprécie. Qu'est-ce qu'on a là? En fait, le point est n'importe où. On sait pas s'il faut faire joystick haut, joystick bas. Ok, j'avais du bœuf, ça tombait bien. Le bœuf a disparu, c'est incroyable. Quoi? Merci, Aiden. Un petit pic, histoire de dire. Elle est pas trop motivée en tout cas. Si c'était aussi simple de faire la cuisine, les gars, putain. Ça ferait longtemps que je boufferais du bœuf asiatique depuis longtemps. Enfin, du bœuf à l'asiatique. Ça se passe plutôt bien. Utiliser un wok. Un wok. Là-haut. Attendez. Pourquoi elle a regardé par là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Merde! Merde, il est déjà là! On n'a pas le temps! Voilà, j'arrive! Je suis à poil! Cet appart est immense! Attends, la logique voudrait que... C'est quoi ces conneries? Mec! Je sais pas par où on rentre, c'est totalement ridicule, un appart aussi grand. Oh non, j'ai pas fini de cuisiner! Zut, je dois faire vite si on veut manger.
Bon, hé, les gars, j'ai rien à foutre. Mais je comprends pas, y a rien à faire, y a aucune action possible. Non mais là, je ne peux pas tourner la caméra, c'est ingérable. Ah bah putain, l'entrée est là. Non mais c'est ingérable, vraiment les gars. Tu sais, tu perds ton temps, Aiden. Ah putain, mais tu m'empêcheras pas de voir Ryan. Putain, qu'il est lourd. J'aurais peut-être faire confiance à Aiden, par contre, sur le coup. Ok, en tout cas, on va retourner dans cette putain de cuisine maudite. Et on va essayer de faire quelque chose. Je ne peux rien faire dans cette cuisine, en fait. Ah! 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 Oh non, mais... Ah, c'est terrible, les gars. C'est terrible. Pour toutes les fois où j'étais devant, c'est dingue. Ok. On prend le wok. Enfin, le petit wok, sur le coup. Parce qu'un wok, c'est quand même plus balèze, normalement. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On y trempe notre bœuf ainsi que ses légumes du soleil et ses oignons, cette compotée d'oignons. Alors le problème de Quantic Dream, je sais pas si vous voyez. Oh, arrêtez, non, attendez, on va saler un petit peu. Gingembre, forcément, gingembre. Asiatique. Ouais. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Bon, c'est pas dans la recette, mais... Ah, non, 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 mais non, mais je suis con. Non, 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 fais pas. Allez, t'as pas besoin de ça. Sel, peut-être. C'est dans la recette. C'est dans la recette, je pense. Non, c'est bon. Voilà. Poivre. On moule, on moule, on moule. C'est bon. Ça donne quoi, là? Arrête! Ah d'accord, ça reste collé, cousin. Là, le vin. Allez, un peu de saké pour le goût. Saké, pardon, c'est vrai que ça l'a dit. Bah oui! Je crois que je commence à aimer la cuisine. Ryan, tu vas adorer ça. Non, 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 non. Pas faire de bêtises. Voilà, on nettoie. Elle a éteint ? Je l'ai pas vu éteindre, moi. Je ne l'ai pas vu éteindre. Ça va partir en couille, ça va être cramé. Ok, faut peut-être que je m'habille, ça serait pas mal, je pense. Putain, les gars, où sont ces armoires? Sans penderie, vu que c'est une chambre... Ah yes, faut se laver. Enfin, quelque chose qui me plaît. Oui, comme je vous disais, regardez bien, mais tous les jeux Quantic Dream, c'est ça. Ils n'aiment pas les arrondis. C'est, ça fait des petits angles, ça fait des traits. Rien n'est parfaitement rond, hormis la modélisation des personnages, hein, ce qui concerne les épaules et tout. Mais si vous regardez tous les objets dans tous les jeux Quantic Dream, c'est, comment on peut dire, des losanges. Enfin, c'est, vous verrez, c'est des traits. Mais rien n'est vraiment rond. Qu'est-ce que c'est? Regardez les trucs de douche et tout. C'est très bizarre à expliquer. Oh ouais. Oh ouais, check it. Je suis à poil, hein. Je suis à poil. C'est un réel plaisir.
Le petit seringue. Ah non. Ah si, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Elle a pris le bas et le haut. Ok. Elle est mignonne, cette petite. Alors, faut savoir que c'est Ellen Page. Oh, putain, qu'est-ce qu'il a écrit, ce con. Tu m'as. You have me. Tu n'as pas besoin de lui, je suis déjà là. Merde, Hayden. Non mais Hayden, on peut pas faire des trucs ensemble. J'arrive pas à comprendre. Ok. Je vais où maintenant? Ok. Un petit pipi? Non, ok, on peut partir. Faut que je m'habille, alors par où c'est? C'est pas du tout par là. Putain, c'est gigantesque ici, c'est terrible. Ah, je nettoie pas ça, par contre, je range pas, on s'en bat les couilles, ok. Ah, c'est bon, la pendille était de l'autre côté, c'est gigantesque. Bon, qu'est-ce que je mets? Ok, élégante, sexy, raffinée, cool. Ah oui, d'accord, cool, c'est la veste, c'est dégueulasse. Sexy, élégante. Élégante, les gars, on va pas faire dans la provocation. Je sais pas si je vais le pécho. Elle le veut, Hayden oh, veut pas. Salut, Ryan. Je pense que je vais devoir écouter mon cœur. Oh, ça te plaît? Classique, élégante, mystérieuse. Allez, on s'abonne. Très classe. C'est la nouvelle moi et ça prouve que je m'adapte à toutes les situations. Bon, Hayden, tu feras mieux de laisser tomber. Ok? Ce rendez-vous aura lieu. Pigé? Ouais, il commence à être lourd, le petit Hayden, mais... Je sais pas. Est-ce qu'il fait un peu le gamin ou est-ce qu'il le sent vraiment pas? On verra, les gars. Ok, on va passer par ici. Je suis censé faire quoi, maintenant? Ok... Ah, il y a quelque chose ici. Black, qu'est-ce que c'est? La boisson pour homme. Hop, j'ai bu de l'air. Oh. Ah, oh, Perk. Oh, c'est dégueulasse. Ok. C'est bon. Ok, il n'y a rien à faire ici non plus. Il est là. Oh là là. Swaggy, Swaggy. Allez, on y va, les gars. Oh, ça doit être 2-3 ans après, je pense. Ah putain, il est par là, l'entrée. Ah, donc tu laisses galérer à la porte. Hayden, tiens-toi tranquille. C'est important pour moi et je compte sur toi. Hey. Château Margaux 2001. D'après le vendeur, c'est une très bonne année. Ça a l'air super, ouais. Ok, ok. Oh, assieds-toi. Je vais chercher le... Le truc pour ouvrir le vin. Oh là, tu sens la soirée gênante. Ok. Ouais, t'appart. Hein? Genre, il a rien entendu. Ouais, merci. Hayden. C'est pas vrai. Ok, je peux pas prendre Hayden depuis tout à l'heure. Hein. Je fais des triangles, donc on peut pas. Là, je peux toujours pas. Donc Hayden va devenir... il est en total roue libre. Hein. Il est incontrôlable. Ça va être un petit peu terrible. Mais il est où, lui? Il est où, ce connard? Bah, j'étais quasi sûr qu'il... Non, 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 c'est moi. Je dois être fou. Je pensais qu'il parlait depuis la table. Tiens, vas-y, mon frérot.
Tu veux que je l'ouvre ? Non, non, c'est bon. Ok. Fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Bon, on est en biais, mais ça devrait le faire. Oula, j'ai inversé un peu à côté. Merci. À ton nouvel appart ? À mon nouvel appart ? Alors, t'as emménagé quand ? Oh, il y a quelques semaines. Ouais, c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi, meublé et tout ça. Faut pas cool. Que je fasse le con, faut pas que et je fasse le con. En fait, c'est le premier appartement que j'ai pour moi toute seule. C'est bizarre. Tu peux tout casser, mais... Je m'habitue. Tu vois. Et toi, au fait, où est-ce que tu vis ? Oh, moi, j'habite juste à la sortie. En fait, de la ville. J'ai bien envie de lui mettre c'est un petit, peu de son. Mais tu sais, il y a un jardin, c'est calme. Pour lui prouver que je fais bien les choses, tu mais. Ou... C'est pour ambiancer, non, tu non, vois. Mais je pense que mes ça va plus mettre le son frère, à fond et tout mais gâcher, très clairement. Quand j'avais... Donc, on va juste rien faire, je pense. 16 ans ? Ah, l'interrupteur. Tu te. Attendez, tu attendez, t'es fait attendez, mettre attendez. À la porte ou quoi ? Ok. On va pas le refaire. On va pas le refaire. C'est pour faire du mal ? Comment t'as fini par intégrer la CIA ? Oh, les pires questions, hein. J'ai intégré la fac sans savoir ce que je voulais faire. J'ai tenté l'armée. Tu sais, l'action, les voyages, l'aventure. Assez longtemps pour savoir que c'était pas pour moi. Et quand un recruteur de la CIA m'a contacté, j'ai dit oui. Je devrais peut-être, tu sais, aller surveiller le dîner, parce que... faire la cuisine, c'est un tout nouveau monde pour moi. Tu veux de l'aide ? Non, mais va t'asseoir et tu peux nous resservir tant que tu y es. Ok. Je suis resté sage. Oui. Ah non, il va dire non. Du bœuf à l'asiatique, hein. Oui, c'est... Oh, j'ai passé un an en Asie, j'adore leur cuisine. Oh, bah, te réjouis surtout pas trop vite, hein. Je crois que c'est la deuxième fois que je cuisine et... je préfère pas repenser à la première fois. Mmh. C'est bon. Oh. Ouais, pas trop de sel, pas trop de poivre, fond dans le croquant. Je suis contente que ça te plaise. On se connaît depuis combien de temps maintenant, hein ? On va rien faire, on va rien faire. Et hein. Je sais rien sur toi. Eh ben, franchement, donc c'était deux ans, pas hein, grand-chose à dire. J'ai grandi avec mes parents sur le campus de la DPA et ensuite Nathan s'est occupé de moi. Et puis la suite, de toute façon, tu la connais. Et tes parents, est-ce que tu les vois ? Non. Non, enfin je... Je crois qu'ils étaient terrifiés de voir que j'étais différente. Alors, Nathan et Cole, c'est eux qui m'ont élevée, en fait. Ils m'ont appris à supporter Aiden. Et puis à m'accepter telle que je suis. Ça n'a pas toujours été facile, mais... enfin, je fais des progrès. Dis-moi, est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Aiden ? Non. Pas vraiment, non. Enfin, ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde. Mais... pas grand-chose sur Aiden. Enfin, je sais même pas si lui-même sait... ce qu'il est, au juste. Et... il est là, en ce moment ? Il nous écoute ? Ouais. Aiden me quitte jamais. Et toi, alors ? Tu as de la famille, ici ? Non. Non, mes parents vivent toujours dans l'Oregon. Je les vois le moins souvent possible. Et tu es... tu es mariée, peut-être, ou... Non, non. Enfin... si, enfin, je l'étais. Oui, mon ex-femme et moi, on est séparés depuis... 2 ans. Et... ça collait pas. Enfin, plus sur la fin. On a passé de bons moments, mais...
Finalement, on a décidé de se séparer. Et toi? T'as quelqu'un en vue? Non. J'ai Aiden, donc. Je veux dire quelqu'un de notre monde. Tu sais, Aiden a, disons, toujours fait fuir les gens autour de moi. Enfin, à moins que ce soit moi. Peut-être que je suis trop bizarre pour qu'on s'intéresse à moi. Tu es spéciale, Jody. Aiden n'a rien à voir avec ça. On est parti! Bah, faut qu'elle se défoule, la petite Jody, les gars, hein! Faut qu'elle se défoule! Par contre, elle va se faire soulever hyper rapidement, j'avais pas prévu ça. Mais si ça se trouve, il a encore sa femme, il a des gosses. Oh là 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 là! Et il y a ma jambe qui passe à travers la robe! Attends, j'ai posé ma manette, mais si ça se trouve, il va y avoir des trucs à faire. Arrête! Stop! Jody, qu'est-ce qui se passe? Désolée. Désolée, c'est pas ta faute. C'est juste... qu'il y a des choses que je peux pas oublier et... C'est rien. Désolée. Ça va. C'est rien. Désolée. Ton bras sort de la jupe, mais ça va aller. Écoute, je vais y aller. Ah. Il a pas pu pécho, il s'est barré, il a fui. Il n'a point porté ses couilles, ce petit salopard, et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère que ça vous a fait plaisir. Poulet ou bœuf cuisiné, 76% des gens. Beaux vêtements, 74% des gens. Jody et Ryan, laissez tranquille, 72% des gens. Appartement rangé, comme 80% des gens. Restez dans l'appartement, comme 42% des gens. On aurait pu partir. C'est très bizarre, je ne le savais pas. Et n'a pas couché avec Ryan, on aurait pu coucher avec lui. D'accord, alors comment? Aucune idée. Bref, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. A plus tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.